ces vaillants justiciers. Yo-Yo contre Robochat. Oui! Yo-Yo sans ciseaux! Ya! Et Turbo Tourbillon! Roue acrobatique! Beau travail d'équipe! Ensemble pour l'entraînement! Allez! Oui! Ouais! Oh, oh, oups! Wow! Joli lancé, Greg! Le frisbee est parti dans mon jardin! Ah, le voilà! Hein? Eh oh! Vous êtes cachés? C'est pas drôle! Greg et Amaya n'auraient pas abandonné leur frisbee. Qu'est-ce que c'est? Un circuit imprimé? Encore un coup de Roméo! C'est une mission pour les pyjamas! Enfin, ce qu'il en reste. Pyjamas, que j'ai un nouveau défi. Les soucis, je les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient... Yo-Yo! Le tableau de bord va m'en dire plus. Qu'est-ce que c'est? Analyse en cours. Pièce en provenance d'un robot. Ça vient d'un robot? J'avais raison, c'est un coup de Roméo. Tenez bon, Greg et Amaya. Yo-Yo va venir vous sauver. Oreille de chat! J'ai dû le laisser tomber quelque part. Roméo. J'étais pourtant sûre de l'avoir dans ma poche. Roméo, qu'est-ce que tu as fait de mes amis? Ils sont là. Mais ils travaillent pour moi maintenant. Quoi? Bibou, Glu-Glu, éloignez-vous de Roméo. Négatif. À présent, nous obéissons uniquement à Roméo. C'est pas normal, il se passe un truc bizarre. Yo-Yo! Hein? Hein? Non, circulez, y a rien à voir. Vraiment? Et si je faisais la lumière sur ce mystère? Boule de poil! Oh! Hein? Greg, Amaya! Roméo nous a capturés pendant qu'on jouait. C'était du gâteau, sans leur super pouvoir. Mais si vous êtes dans ces cages, c'est qui ces deux-là? Éloigne-toi d'eux, Yo-Yo! Attendez, le tableau de bord parlait de robots. Mais alors, ce n'est pas Glu-Glu ni Bibou? Ah! Non! Mais tu l'as cru pourtant. Alors qu'il s'agit en réalité d'incroyables clones robots que j'ai créés. Et si je n'avais pas perdu mon circuit imprimé, j'en aurais fait un avec toi. Un circuit imprimé? Ce truc-là? Eh, hey, mais c'est le mien! Si j'étais toi, je ferais pas trop le malin avec ça! Mon robot Hibou et mon robot Lézard vont vite te mettre en cage, toi aussi! Après, je serai le maître du monde et vous ne m'arrêterez plus! Ah! Yo-Yo, libère-nous pour qu'on t'aide! Pas sans vos super pouvoirs! Je reviens, je vais chercher vos pyjamas! C'est ça que tu cherches, Super Zéro? Oh! Eh oui, j'ai leurs pyjamas! Attrapez-le! Glu-Glu? Les mêmes, en beaucoup mieux. Regarde un peu ça. Wow! Des pouvoirs en plus? C'est pas du jeu. Je t'avais prévenu. J'ai mis des années à construire l'ordinateur pour les faire marcher. Mais maintenant, mes robots sont invincibles. Et moi aussi, d'ailleurs. Ma queue est gelée. C'est seulement temporaire. Juste le temps de pouvoir te mettre en cage. À toi de jouer, robot lézard. Les robots, attrapez-le et rapportez-moi le circuit imprimé. Hein? Ma queue n'est plus paralysée. Pilote automatique. C'est plutôt rigolo. Suivez-le. Fini.
envie de jouer. Pousse-toi de là, je ne vois plus la route. Chapolide. Hey, deux contre un, c'est fastoche pour un héros comme moi. Vos super pouvoirs, merci. Y'a pas de quoi. Vous aviez raison, j'aurais dû vous laisser m'aider. Attrapez-les. C'est l'heure d'être un héros et d'accepter votre aide cette fois. Yo-yo, rapido. Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non? Amaya devient... Bibou. Greg devient... Blu-blu. Les pyjamas. Il faut frapper le super ordinateur de Roméo. Si on le détruit, ça désactivera les robots. Tu as raison, Bibou. Hein? Va aider les autres, Robochat. Non. Oh, où est le vrai Gluglu et la vraie Bibou? C'est moi, la vraie Bibou. C'est moi, le vrai Gluglu. C'est moi. Non, c'est moi. T'es bien avancé maintenant, Yo-Yo. Tu ne sais plus qui est qui. Il y a un pouvoir que tes robots n'ont pas. C'est celui de l'amitié. Bibou, Gluglu, à vous. Oui, roue acrobatique. Turbo tourbillon. Tu vois, Roméo, je sais qui sont mes amis. Prêt pour notre enchaînement. Attrape-les. Faisons de la pâtée pour chat.
avez détruit le travail de toute une vie. La prochaine fois, vous allez me payer ça, les pyjamasques. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, maintenant qu'il n'a plus d'ordinateur. C'est sympa d'avoir fait des statues à notre gloire. Pyjamas, on crie hurra. Cette nuit, on a réglé les tracas. Hein? Ils ont encore disparu? Eh oh! Très amusant. Si tu pouvais être super rapide le jour, tu nous aurais retrouvés encore plus vite. Oui, et si tu pouvais être invisible, tu n'aurais plus à te cacher. Avec ou sans nos pouvoirs, on forme une super équipe. Pyjamasque, on y va! Bibou est le hibou du partage. C'est la journée un élève, un objet. Je me demande quel objet Amaya a choisi. Moi aussi. Oui, à chaque fois, elle apporte un truc super cool. Je vais encore vous épater avec la statue que ma tante m'a donnée l'année dernière. Le hibou du partage. Elle t'avait pas dit de le donner à quelqu'un d'autre? Parce que ça fait encore plus plaisir d'offrir. Oui, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle le hibou du partage. Mais je n'ai pas du tout envie de m'en séparer. Ce qui me fait plaisir à moi, c'est de le garder. Bon, si tu le dis, c'est toi qui vois. Pas très partageur, ce hibou du partage. Je vais mettre ma statue avec les objets de tous les autres élèves. C'est horrible, tous nos objets ont disparu. Disparu? Hier, on les a laissés ici pour l'exposer, mon objet préféré. Résultat, ils se sont volatilisés. Volatilisés? Je dirais plutôt volés. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ha! Ha! Greg devient... Glu glu! Ha! Ha! Sacha devient... Laisser les méchants venir la journée nous voler nos affaires. Oui, sinon sans objet, comment on va faire à l'école pour la journée? Un élève, un objet. Au lieu de ça, on aura juste des élèves. Nous allons tout récupérer. Tous à l'astro-hibou. Là en bas. Des papinuits. Ça veut dire que Sorceline n'est pas loin. Ah, ils vont nous conduire à elle. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce machin? On dirait une fausse lune. Pose-toi sur ce toit là. Comme ça d'en bas, Sorceline ne nous verra pas et on pourra monter pour l'espionner. Bah, qu'est-ce qu'elle a contre les chats? Vous ne servez à rien, bande de papinas. Rien de ce que vous m'avez apporté ne mérite d'être dans mon repère lunaire. Un repère lunaire? Je vous l'ai déjà dit, je ne veux que ce qu'il y a de beau. Est-ce clair? Je vais devoir me débrouiller toute seule. Aérolune! Vite les pyjamasques, suivons-la! Nya! En train de chercher un truc mieux que ce chat en peluche. Hé, moi je l'aime bien ce chat. Où pourrait-elle bien aller pour trouver ce qu'il y a de plus beau? Hibou Vision! Nom d'une aigrette aplatie, c'est chez moi qu'elle va. Oh non, mon hibou du partage. Ben voilà, ça c'est joli, avec la lune dessus. Vous auriez dû commencer par là, papy nul. Une fois que cette statue sera chez moi, je veux que vous vous débarrassiez de tout le bazar que vous m'avez apporté. Vous
vous avez entendu? Elle est prête à rendre les autres objets si elle garde le hibou du partage. Cool, Caméléon, c'est parfait. Tu devais la donner à quelqu'un de toute façon. Oui, parce que ça fait encore plus plaisir d'offrir que de recevoir. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Haha, c'est le trophée idéal pour mon nouveau repère lunaire. Cette statue est magnifique. Elle est extraordinaire. Elle est à moi. Quoi? Vraiment pas partageur, ce hibou du partage. Pour la peine, je vais garder tous les objets que j'ai déjà volés. Et je vais en prendre plein d'autres. Vous allez voir. Peut-être, mais moi j'ai mon hibou. Il faut à tout prix qu'on arrête Sorceline. Oui, t'inquiète pas, je m'en charge. Partout où Sorceline ira, les pyjamas aussi seront là. La voilà. On dirait qu'elle va entrer dans le musée. Les pyjamasques, on y va! Ils valent rien, vos objets. Ils arrivent pas à la cheville de la statue de la lune. Continue à chercher, Papy Nuit. Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus? Non, la statue du hibou est à moi et c'est tout. Bon, d'accord. Alors on passe au plan B. Yo-yo, rapido! Allez, on s'active, les Papy Nuit. On n'a pas toute la... Hein? Hein? Qu'est-ce que... Je viens de bloquer toutes les issues, Sorceline. Tu ne peux plus t'échapper. C'est ça, dans vos rêves. Aérolune. Sorceline et ses Papy Nuit se sont échappés. Ils ont rien volé. Ils ont laissé tous les objets. Tous, sauf mon hibou du partage. Elle l'a embarqué. On n'a qu'à dire que tu lui as donné. Ben voyons, ça aurait été trop simple. Wow, regardez ce bric-à-brac. On dirait que Sorceline n'en veut plus en fin de compte. Si elle n'en veut plus, moi je veux bien le garder, ce chat. On n'a plus qu'à tout rapporter à l'école. Oui, tout le monde sera content, fin de l'histoire. Tout le monde sauf moi. Mon hibou du partage n'est pas dans le tas. Mais j'ai bien l'intention de le récupérer. On dirait qu'il y a comme un champ magnétique ici. Je vais avoir besoin de votre aide pour récupérer ma statue. Tu es sûre que tu ne veux pas lui laisser? Jamais de la vie, Sorceline me l'a volée. Elle ne mérite pas de la garder. Bon d'accord, toi tu t'arranges pour qu'elle sorte. De mon côté, j'essaye de trouver un moyen pour entrer. J'étais en train d'admirer cette magnifique statue de lune. C'est une statue de hibou d'abord. Et tu me l'as volée en plus. Non, tu me l'as donnée, tu te rappelles pas? N'importe quoi, elle est à moi. Oh, peut-être, mais c'est plus mon style. Du coup, c'est moi qui vais la garder. Alors, dis qu'elle est à moi. Allez, dis-le. Bon, par ici, glu glu, méga mus, c'est parti. Oh, mille reptiles, qu'est-ce que... Qui se passe quand on touche à mon rayon paralysant? Je ne laisserai personne entrer dans mon repère. Oui, et je ne laisserai personne me voler ma sculpture lunaire adorée. Parce que... elle est à moi! À moi! À moi! À moi! Elle ne sera plus à toi très longtemps. Bon, d'accord, Sorceline, tu as gagné. Hein? Tu peux garder la statue. On te laisse tranquille. Ah, j'étais sûre que vous finiriez par abandonner. Mais tu oublies Glu-Glu. On va le libérer et récupérer ma statue. Tout ce que tu as à faire, c'est descendre par l'escalier de secours, remonter par l'escalier de l'immeuble et ressortir par cette porte. D'accord, si tu penses que ça peut marcher. Vas-y, Yo-Yo, maintenant, fonce! La partie est finie, Sorceline! Si je mettais le tétard et le sac à puce dans mon repère lunaire, oui, j'en ferais des statues pour aller avec celle-ci. En voilà une excellente idée. Alors, Bibou, te voilà sans statue et sans amis. Toi aussi, tu veux que je te fiche pour faire partie du mobilier? C'est l'heure d'être un vrai héros. Y a pas le choix. Très bien, j'abandonne. Je te la laisse pour de vrai cette fois. La statue du hibou, la statue de la lune est à toi. En échange, libère Yo-Yo et Glu-Glu. T'es sérieuse, tu me la donnes vraiment? Et je pourrais la garder pour toujours? Oui. Tu peux la garder pour toujours. Tu veux bien libérer mes amis maintenant? Non. Non? Mais quoi? T'oublies que je suis dans le camp des méchants.
Maintenant, il ne me manque plus qu'une statue de pyjamas pour que ma collection soit complète. Bibou, non! Bibou, tornado! Hein? Désolée de l'avoir volée. Toi, tu es désolée? Oui, j'ai pas pu m'en empêcher, elle est tellement belle. Allez, viens, Bibou, t'as ce que tu voulais. T'as les excuses de Sœur Céline et ta statue, alors en route. Juste une petite seconde. C'est l'heure d'être un héros pour de vrai. Allez, tiens, oui, prends-la, c'est pour toi. Et cette fois-ci, je suis sincère. C'est vrai, tu es d'accord, je peux la garder? Oui, quelqu'un me l'a donnée et je te la donne à mon tour. Ma tante avait raison. Ça fait plaisir d'offrir. Alors promets-moi que toi aussi tu l'offriras à quelqu'un un jour, d'accord? Oui, c'est promis. Venez mes papis nuits. C'est vraiment très gentil ce que tu as fait, Bibou. Eh bien, je ne crois pas trop à sa promesse de donner la statue, mais ça lui a fait plaisir. Alors ça me fait plaisir à moi aussi. Pyjamasque, on crie hurra! Cette nuit, on a réglé les tracas. Merci beaucoup, Amaya. L'exposé n'aurait pas dû s'appeler mon objet préféré, mais plutôt leurs objets préférés. Merci beaucoup, Amaya. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que ça fait plus plaisir d'offrir. Maintenant qu'elle a appris à partager, ça lui fait tellement plaisir qu'elle ne veut plus s'arrêter. Pas vrai, Amaya? Si. Qui veut un joli petit camion? Ou bien un sifflet? Waouh, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans?